Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur Autos à la Réunion pour l'essai de ce crossover urbain. Il s'agit du Mazda CX-3. Alors le CX-3 est sorti en Europe depuis 2015, il est arrivé à la Réunion en 2016. Alors on est un peu en retard, nous on l'essaye en 2017. Alors malgré ces 2 ans de carrière, c'est pas un véhicule qu'on trouve très souvent sur nos routes et pourtant c'est l'un des plus désirables du marché. Mazda a mis l'accent sur le style avec cette calandre avant verticale soulignée de chrome qui va fondre dans les feux. Ensuite on a un capot bombé, on a cette grosse nervure de carrosserie qui commence sur le capot et qui va fondre au niveau des portes, donc on a un profil sculpté. On a le haillon qui est assez massif avec des feux très fins. On a aussi une double sortie d'échappement. On a des jantes qui peuvent aller de 16 à 18 pouces. Bref, c'est pratiquement le sans faute au niveau du style. Alors, ce Mazda CX-3 repose sur la plateforme du Mazda 2, de la Citadine compacte donc. Il y a donc quelques défauts à cela. Malgré ses 4,27 mètres de long, l'habitabilité est assez comptée aux places arrière. On a également une capacité de chargement de 287 litres. Alors, si on utilise le double fond, on peut aller jusqu'à 350 litres, ce qui devient honorable. Néanmoins, Mazda ne brille pas au niveau de la modularité, de l'habitabilité ou de la capacité de chargement. Les atouts sont ailleurs. Alors, on vous a dit au niveau du style. Nous, on aime aussi le dessin de la planche de bord qui est repris de la Mazda 2. Alors, on a quelques plastiques qui sont durs. Néanmoins, on sent que c'est japonais, c'est bien construit, c'est robuste. On a une petite partie qui est en cuir. Le reste des plastiques sont de qualité. On aime l'instrumentation assez sportive. Toutes les commandes qui sont au volant, très ergonomiques. Alors, ce qui rend aussi ce Mazda CX-3 simple d'utilisation, c'est évidemment cet écran couleur de 7 pouces qui dispose de toutes les fonctions Bluetooth. On peut même avoir la navigation. Vous demandez à la Soreva d'installer la cartographie Réunion. Vous aurez donc la navigation. On a tout ce qui est multimédia. L'équipement de série sur cette version dynamique, on a deux finitions dynamique et sélection à la Réunion. Alors, même sur cette version dynamique, le véhicule est très bien équipé. On a cet écran donc couleur 7 pouces de série, on a la clim automatique, on a le régulateur de vitesse, on a l'alerte de franchissement de ligne, on a le détecteur de pluie, de luminosité, on a les jantes en alu. Alors si vous optez pour la finition sélection, vous aurez droit à l'affichage tête-tête, le détecteur d'angle mort, la sellerie cuir et j'en passe. Alors, sous le capot, 3 motorisations à la Réunion. Le 1,5 litre Skyactiv D, c'est la version donc diesel de 105 chevaux, qui pourra être en 2 roues motrices ou 4 roues motrices, au choix. Ensuite, on a ce 2 litres Skyactiv G, c'est la version essence. Alors, c'est un gros 2 litres atmosphérique. Alors que les constructeurs optent pour le downsizing, c'est-à-dire de baisser les cylindrés, de proposer des 1 litre turbo compressé ou 1 litre 2 turbo compressé, Mazda fait autrement. Il propose un 2 litres atmosphérique comme dans les années 90. Alors bien évidemment, il est technologique puisqu'il a un taux de compression très élevé. Ça promet des consommations très basses. Une large plage de régime allant de 2000 à 6000 tours minute. Donc c'est vraiment un caractère assez sportif. Nous on aime bien. Sur cette grande plage de régime, on a pratiquement toujours du couple. Alors au maximum, on a 204 Nm. On a 120 chevaux.
Cette version d'entrée de gamme en essence sera disponible uniquement en deux roues motrices. Le véhicule est donc assez léger, 1155 kg. Tout ça, c'est la conception Skyactiv. On travaille l'aérodynamique, on travaille la structure du véhicule pour que le châssis soit le plus léger possible, et on travaille sur une motorisation moderne, mais quand même assez exclusive, parce que c'est rare dans la catégorie d'avoir un 2 litres atmosphérique. Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Un agrément de conduite vraiment intéressant, mais également des consommations vraiment contenues. On n'a pas de turbo. Le moteur est très linéaire, ça pousse tout le temps. On peut aller jusqu'à 6000 tours minute. Alors une autre motorisation encore, c'est toujours le 2 litres Skyactiv G qui est disponible également en 150 chevaux. Par contre, il sera automatiquement accouplé à la transmission intégrale. Alors sur cette version 120 chevaux, on peut disposer par contre soit la boîte mécanique comme aujourd'hui qui se montre très précise, très douce et très précise, mais on peut aussi opter pour une boîte automatique à convertisseur de couple à 6 rapports pour le confort. Alors justement, au niveau du confort, ce châssis, il est assez rigide, mais comme l'amortissement est assez souple sur ce modèle Skyactiv G de 120 chevaux, on a un confort qui est appréciable. Vraiment, on a une caisse qui est bien tenue. Rien à dire au niveau du comportement routier. Pourtant, aujourd'hui, on est chaussé qu'en 16 pouces. Bien sûr qu'à la limite, ça va être sous vireur. Mais il faudra vraiment, vraiment rentrer très, très fort dans les virages. Alors, ce petit crossover, il est très agréable en ville. Un autre petit défaut, par contre, c'est la vision, la visibilité périphérique, parce qu'on a une surface vitrée assez réduite, une ceinture de caisse assez haute. Pour ça, on peut opter pour la caméra de recul. Aujourd'hui, nous, on est équipé que de radar. Donc, ce véhicule, il est extrêmement à l'aise en ville. Mais par contre, on peut se servir aussi de ce CX-3 comme familial. Parce que le moteur... dispense un bon agrément de conduite, le châssis est sûr, et on prend donc du plaisir à conduire ce CX-3. C'est ce que Mazda devait rechercher dès la conception du véhicule. Donc voilà, c'était un petit essai de ce crossover urbain qui sera disponible entre 29 500 euros et 37 500 euros selon le moteur, selon la finition que vous choisirez. Nous, on vous dit à bientôt sur Autozone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.